Le jour où l'on a appris le décès de les célèbres légendes du Jokujo, Tina Turner, le monde s'est arrêté. Des millions de personnes à travers le monde ont été dévastées. Elles se sont immédiatement rendues sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à la star. D'innombrables messages témoignant de la grandeur de l'icône ont inondé Instagram et Twitter notamment. Les fans du monde entier ont été inspirés par les capacités de la chanteuse à motiver et façonner l'esprit d'une pléthore de personnes issues de différentes générations. Le mannequin Cindy Chow fait d'elle l'une de nombreuses célébrités à avoir dédié un message à Turner. Bien qu'elle reconnaisse la chanteuse le mérite d'être une femme extraordinaire qu'elle était, de nombreux commentateurs ont estimé que Cindy Chow avait fait de ce poste une affaire pure de 21. Le poste de Chow présentait une série de deux photos d'hommage à la légende de la musique. La première était une photo bien connue de Turner posée dans une jolie robe courte ornée de perles. Les secondes photos montraient Chow Fut posait un look directement inspiré de la chanteuse. Elle est légendaire de post Instagram avec un message touchant sur la façon dont Turner inspire et beaucoup d'autres étaient être des femmes fortes. Cependant, les commentateurs ont été mécontents du fait que le mannequin ait choisi d'inclure une photo d'elle dans un post qui était censé être consacré à Turner. L'un d'entre eux s'est montré très déçu par le post de Chow Fut et commente quoi pour le narcissisme de ce post. C'est très important de mettre une photo de vous aussi, quoi, plus juste hop, capture d'écran du commentaire disant que Chow Fut est narcissique posté sur Instagram le 25 mai 2023. Sur Instagram comme Cindy Chow Fut, de nombreux utilisateurs d'Instagram n'ont pas apprécié le poste de Chow Fut en raison du consensus général qui prévaut lorsqu'il s'agit de rendre hommage à une personne décédée sous la forme d'un hommage. Les gens pensent que les hommages ne devraient généralement rien plus quoi que ce soit sur la personne qui rend hommage. Un autre utilisateur s'est interrogé pourquoi la deuxième photo est-elle la vôtre? C'est un peu inapproprié dans ce cas, bien que le ressentiment à l'égard du poste de Chow Fut ait été réapparu. Certains fans commentent l'hommage de manière positive. Au lieu de se concentrer sur l'ajout de Chow Fut sur la deuxième photo, certains ont choisi d'attirer leur attention sur la photo principale de Turner de contrer la négativité en faisant l'éloge d'eux. Le chanteuse en disant à quel point elle est aimée et adorée. Capture d'écran du commentaire qualifiant l'hommage de Chow Fut d'inapproprié posté sur Instagram le 25 mai 2023. Sur Instagram comme Cindy Chow Fut, outre les talents de Tina Turner qui ont touché le cœur de nombreuses personnes qui l'aimaient, elle également été largement saluée par ses collègues de l'industrie du spectacle. Parmi les nombreux hommages émouvants qui lui ont été rendus au plus site en jeu bas c'était Beyoncé, Kno, le dieu noir, Wick, Deji, Gothepnik, Jacques, Brit, Adam, Telto, Topre, Winfrey. Diane Rutte, Death Middle, Diana Red, pour ne citer que quelques-uns. De nombreux autres acteurs, musiciens comme politiques ont utilisé leur plateforme pour exprimer les relations spéciales qu'ils partageaient avec Turner. Même les présidents Joe Biden et Barack Obama font partie des personnalités célèbres qui vous rendent hommage à la chanteuse. Parmi les pléthores d'hommages affectueux, les messages de basse étaient peut-être le plus détaillé et le plus complet. Ayant joué le rôle de Turner pour le film biographique All of God With It 993, Bassett s'est senti particulièrement proche de l'icône, qu'il saluait de façon dont elle le représentait dans le film. Dans sa légende, Bassett a écrit que Tina Turner montrait ceux qui vivaient dans des peurs et quoi devrait ressembler à un bel avenir rempli d'amour, de compassion et de liberté. Les derniers mots qu'elle m'a adressés pour moi ont été « tu ne peux jamais imiter ». Au contraire, tu as puisé au plus profond de ton œuvre. Tu as trouvé la Tina qui était tout toi et tu l'as montré au monde entier. L'auteur, compositeur, interprète canadien Brit Adams était un autre ami. Proche de Tina Turner qui avait également été dévasté par sa disparition. Les deux amis avaient enregistré qui ont lu l'autre du outre 1985. Une joyeuse photo noir et blanc de deux se serrent l'un contre l'autre sur scène partageant un rire accompagné son message. Adams expliquait qu'il serait éternel de reconnaître Turner et de l'avoir invité à tourner et d'avoir enregistré avec lui et surtout d'avoir été son ami. Mick Jagger, autre légende du Jokujo, partage sur Twitter des photos nostalgiques du duo sur scène. Exprimer les différentes façons dont Turner peut inspirer plus qu'artiste tant que personne.
Il ajoute qu'il n'oublierait jamais les nombreuses fois pelles lorsqu'il débutait dans des vies professionnelles. Il termine ses dédicaces en disant qu'il ne l'oublierait jamais. Oprah Winfrey est animatrice et magnate de la télévision qui a eu le privilège de rejoindre Turner sur scène lors d'un concert. Dans son message, Oprah Winfrey a partagé une vidéo d'elle de Turner dansant et chantant ensemble lors d'un spectacle et racontait quel point et le moment qu'elle a partagé avec l'icône était spécial. Dans les légendes, elle révèle à quel point elle était nerveuse à l'idée de monter sur scène et se souvient à quel point l'expérience est électrisante. Elle terminait son hommage rappelle l'influence de l'icône qui encourageait tout le monde de vivre de manière authentique et vivre pleinement sa vie. Le musicien de renommée mondiale Elton s'est rendu sur son Instagram pour partager une dédicace affectueuse à Turner. Il a partagé une photo des deux icônes se serrant dans les bras et souriant en regardant l'appareil photo. Cette légende explique que Turner était unique au songeant et qu'elle ne serait jamais remplacée. Il a terminé en présentant ses condoléances au mari de Turner des Rois Battre et au reste de sa famille. L'auteur-compositeur-interprète américain Anne Fouotier poste une vidéo d'une jeune Turner en train de donner une représentation animée de Sullivan Show. L'auteur-compositeur est fait part de sa profonde tristesse en apprenant les nouvelles rôles qu'un fait intéressant. Turner avait choisi sa version de Pia ou de Marie pour l'interpréter Talk. Disque. Il révélait que cette chanson était devenue l'un des premiers disques de la chanteuse. Fouotier également déclarait que sa version de sa chanson était sa préférée. Le page Twitter officiel du Rock'n'Roll Hall of Fame a tweeté les vidéos d'intronisation de Turner acceptant l'une de ses récompenses en 2021. Turner était ravi d'avoir été honoré et exprimé son niveau de gratitude pour avoir été intronisé. Le message mentionne les exploits emblématiques que Turner a réussi à accomplir tout au long de sa carrière. Le tweet se termine en disant qu'elle a toujours placé les barres plus haut pour les artistes à venir lorsqu'elle se produisait. On publie une image zoom d'un univers rempli d'étoiles des nazis pris Twitter pour présenter ses condoléances et célébrer la vie de Turner. Tweet se lit comme suit, tout simplement le meilleur. Les légendes de Vemmisi Tina Turner brillaient sur scène et dans des millions de cœurs en tant que reine du rock'n'roll. Son héritage vivra jamais parmi les étoiles, la diva Diane de Rote chanteuse emblématique poste une photo d'elle et de Tina Turner, toutes deux vêtues de robes noires lors d'un événement. Sur les photos, on voudra se regarder Turner avec un regard de pur respect et d'admiration. Les légendes de Ross étaient courtes et concises, soulignent son choc et sa dévastation face à la tragédie. Elle termine en adressant ses prières et ses condoléances à la famille de Turner. L'ancienne star de Dan Dave Magic Johnson a tweeté une photo de lui et de Turner posant avec deux autres personnes en hommage à sa mémoire. Il raccompagne la photo d'une légende qui avait tellement d'énergie lors de ses concerts et était une véritable artiste. Elle a créé le modèle d'autres grands artistes comme Janet Jackson et Beyoncé. Son héritage se perpétue à travers tous les artistes à l'énergie débordante, le roi des romans d'épouvante. Stephen King veut également commémorer le décès de la star. Il résume sa dédicace en moins de 10 minutes en allant droit au but. Il fait l'éloge de la légende de la chanson et utilise l'une des lignes les plus célèbres de l'une de ses chansons les plus connues. Selon King, Turner était tout simplement le meilleur. Le grand couturier italien Giorgio Armani a partagé une photo de lui de Turner dans la scène, accompagnée d'un message d'amour. Armani fait part de sa profonde tristesse en apprenant des nouvelles et explique à quel point elle est une amie incroyable. Le créateur a également exprimé le privilège qu'il a eu de l'avoir habillé et de nombreuses occasions. Il a qualifié son énergie d'éternelle. Le PDG d'Apple Tim Cook a également partagé une belle dédicace à Turner. Le tweet de Cook se lit comme suit « Tout au long de sa vie extraordinaire, Tina Turner a brisé les barrières et redéfini les musiques inspirées du monde et dansé. Elle était une icône fatale au transcendant et elle nous manquera, selon les rapports que la cause exacte de la mort de Tina Turner n'est pas pu être identifiée d'une maladie spécifique. L'artiste s'est longtemps battu contre un cancer de l'intestin et a souffert d'hypertension pendant plus de 40 ans, ainsi que de problèmes rénaux.
Et je passais ces derniers moments paisiblement avec son mari dans sa maison bien aimée de Cutremes et nous y acheter, une banlieue proche de Zurich en Suisse. La nouvelle de son décès qui serait due à des causes naturelles a été confirmée par ses représentants. Son hypertension artérielle accélérait les lésions rénales. Dans ses mémoires, ce qu'il refait surface après son décès, il était révélé qu'elle avait un jour envisagé le suicide assisté. Réflexion et lui eurent 2-0-1-6 avant que son mari d'acte de lui fasse don de son rein. Avant que son mari n'intervienne pour le sauver d'une insuffisance rénale, il a annulé qu'elle s'était inscrite à une organisation de suicide assiste pour l'aider à faire la paix avec les morts. On est sur une photo de portrait prise en 1988. Surtout des images au cours de ce que l'on croyait être ses dernières déclarations publiques, Tina Turner était interviewée par The Guardian. Interrogée sur la façon dont elle est morte et que l'on se souvienne d'être, Tina Turner déclare tout comme la reine du Jock Joule. Comme une femme qui montrait que d'autres femmes qui n'y avaient pas de mal à viser le succès selon ses propres termes, Tina Turner lors de les premières musicales de Tina, de Tina Turner Musical. En boucle 2019. Surtout des images malgré les controverses entourant le post Instagram de Geoff, du message global du modèle était fait d'admiration et de révérence. La vie de Turner a continué à être célébrée par de nombreuses personnes à travers le monde. L'icône manque à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître personnellement, mais aussi ceux dont la vie était changée par son incroyable musique. Donnez-vous un moment sur Google News.